Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans la catégorie j'ai testé pour vous. Alors en fait je vous fais cette vidéo parce qu'il y a un an j'étais allée dans une espèce de foire où ils vendaient un kit près de 20 euros je crois pour faire des tatouages pailletés. Alors elle en faisait gratuitement et j'avais fait un petit papillon avec plusieurs couleurs, c'était très sympa. Et le kit à 20 euros par contre il était un petit peu moins sympa. Donc je me suis dit, au final, elle l'a fait sur moi, j'ai vu comment il fallait faire, il n'y a rien de compliqué, il suffit juste d'avoir le matériel. Et j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait pour faire donc les tatouages pailletés. Alors là, je l'ai mal collé, parce que c'était un test, hein, je l'ai mal collé, mais c'est censé être une lèvre, je ne sais pas si vous verrez bien. Après, ça dépend des motifs de patch que vous avez, etc. Lui, c'était le plus petit que j'ai trouvé dans le lot que j'avais acheté. Et donc voilà, j'ai acheté des patchs, j'ai acheté de la colle à fossiles, parce que je me suis dit, de la colle qui va sur la peau, ça peut que être de la colle à fossiles. Et puis des petites paillettes, et voilà, let's go. Et donc j'ai fait ça, donc c'est parti, je vous montre comment j'ai fait ça. Alors, pour réaliser ce petit tatouage pailleté, il vous faudra forcément des paillettes. Ça c'est des paillettes, tout vient de chez AliExpress de toute façon. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez. Ça c'est des paillettes que j'avais reçues dans un kit à Nail Art. Donc vous avez des paillettes beaucoup plus fines et des paillettes beaucoup plus épaisses. Donc voilà, vous avez plusieurs couleurs. À vous de choisir ce que vous voulez. Des pinceaux pour attraper les paillettes. Une colle à fossiles. Donc ça c'est une colle que j'ai prise également sur AliExpress qui est en tube comme ça. Donc je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut, on verra bien. Et puis des petits patchs comme ça avec des motifs quoi que vous viendrez coller sur votre peau. Alors moi j'ai décidé de prendre cette petite lèvre parce que c'est le tatouage le plus petit que j'ai. Donc on va venir décoller le film protecteur. Je sais pas du tout comment ça marche. Ah voilà. Donc hop. Et je vais venir. Ah, j'ai déjà des paillettes de partout. Je vais venir l'appliquer donc sur ma peau à l'endroit que je veux. Allez, là on va dire que c'est pas mal. Hop. Et puis je vais choisir la couleur de mes paillettes. Donc si je faisais, tiens. Allez, j'ai envie de sortir des couleurs un petit peu ordinaires. Je vais prendre le bleu foncé et le bleu plus clair. Donc ensuite, je vais venir appliquer la colle à fossiles. Et je pense qu'on va faire ça de la même manière que si on appliquait des faux cils. On va laisser sécher. Donc j'en mets bien sur ma peau. Voilà. Voilà, alors la colle est presque partie. Donc je vais tremper mon pinceau dans les paillettes bleues et je vais en appliquer tout autour. Oh là là, grosse catastrophe. Voilà, et je vais prendre le deuxième pinceau pour le bleu plus clair au centre. Alors comme là j'ai dépassé un peu, ouais non c'est déjà collé là. Donc je retire. Délicatement. Et voilà le résultat. C'est plutôt pas mal, hein? On dirait pas trop une bouche, mais c'est plutôt pas mal. Si vous en pensez. Bon, voilà le résultat. Alors moi j'aime beaucoup. Là c'est bon, les paillettes sont bien collées. Je me suis un peu plantée parce que j'aurais voulu mettre un peu de bleu clair un peu plus au centre par là. Mais bon, voilà.
Je voulais en refaire un deuxième, mais je pense que le test s'arrêtera là. Donc voilà pour le résultat, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était juste pour vous montrer, même si le résultat il n'est pas extraordinairement beau, parce que c'était mon premier. Je pense qu'il y a juste un coup de main à prendre. Déjà je ne l'ai pas collé bien au centre de mon poignet. Et puis il faudra juste choisir des modèles de patch différents sur AliExpress, un peu mieux faits. Mais voilà, pour trois fois rien, on peut se faire des jolis tatouages pailletés. Ça peut être sympa pour une occasion, un événement. Ou même comme ça, pour l'été, parce qu'on arrive, on est en plein dedans, on est en pleine période estivale. Ça peut être sympa d'avoir des petits tatouages pailletés comme ça sur le corps. Ça peut être un peu plus fun. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut !